bienvenue à ce numéro un peu spécial de Passé Présent, puisque notre animateur favori n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Claude Pétier n'a pas pu être parmi nous, mais notre invité est là. Donc, a priori, l'aventure et l'histoire peuvent continuer. Donc, je vous présente Roger Bourderon, notre charmant invité, qui a écrit un livre qui parle d'un été 40 un peu particulier au Parti communiste français. Et ma première question, parce qu'on se la pose tous un peu, pourquoi avoir écrit ce livre et quel en est le but, puisque les événements au début ont l'air d'être plutôt connus par tout le monde. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour... Oui, les événements sont effectivement connus, puisque la négociation pour la reparution de l'humanité, puisque c'est de cela qu'il s'agit, avec l'ambassadeur d'Allemagne à Paris, Otto Abetz, a été l'objet de diverses publications, et en particulier d'un travail pionnier il y a longtemps de Denis Péchanski. Mais il y a des choses nouvelles. Il y a des choses nouvelles, je dirais deux essentiellement. Bon, d'abord, depuis cette étude pionnière, il y a eu l'ouverture des archives de l'International communiste, du Comintern, donc ça a apporté des sources nouvelles. Et puis, de manière plus récente, j'ai repris le dossier après avoir essayé de faire une mise au point de tout ce qui existait en 1993 dans la revue Cahier d'Histoire de l'Institut de Recherche Marxiste. Et... depuis, il y a deux choses nouvelles essentiellement. Deux rapports, d'abord. Deux rapports extrêmement importants d'Arthur Dalidet, qui a été un des membres très importants de la commission des cadres du Parti communiste français, qui a été adjoint du responsable Maurice Tréon de la commission des cadres, et qui, en octobre 40, puis en février 41, écrit deux rapports tout à fait accablants, sur la gestion du responsable des cadres l'été 40 et qui lui donne toute la responsabilité en fait de la reparution de l'humanité. Oui, parce que c'est une histoire quand même assez étonnante d'un journal qui est interdit, qui paraît de manière complètement clandestine et qui essaye de réapparaître. Et qui essaye de réapparaître. Il faut négocier avec l'occupant. En négociant avec l'occupant. Jeu du chat et de la souris d'ailleurs, parce que les autorités allemandes ont bien vu qu'on pouvait parfaitement piéger et déconsidérer les communistes dans cette affaire. Et du côté des communistes, enfin de la direction communiste, ou on peut même dire d'une partie de la direction communiste, parce qu'on voit que d'emblée, il y a des tas de gens qui sont en désaccord, mais disons de ceux qui sont à Paris, Jacques Duclos, le secrétaire du parti, et Maurice Tréon, le responsable des cadres, au nom d'un principe léniniste appliqué de manière totalement dogmatique, on dira, viennent avec l'idée qu'il faut utiliser toutes les possibilités légales et donc profiter de tous les interstices qu'on peut essayer de trouver à la faveur là de l'occupation du pacte germano-soviétique, etc. Quoi, voilà. Et qu'est-ce que Jean Cattelat va faire dans cette galère? Il accepte immédiatement. Alors Jean Cattelat, député d'Amiens, haute figure que j'ai eu beaucoup d'émotions à retrouver, parce que c'est vraiment un militant exemplaire et en même temps pour une part une victime. Jean Cattelat, il se trouve que Jean Cattelat est un des rares dirigeants du Parti communiste qui était resté à Paris en juin 1940. Et donc il a été pêché tout de suite par Maurice Tréon, le responsable des cadres, et ils ont dit, Maurice Tréon lui a dit, on va négocier la reparution de l'humanité. Jean Cattelat était extrêmement réservé, il y a pas mal de témoignages qui le montrent, extrêmement réservé, mais... Militant discipliné, il l'a accepté, il a obtempéré, et donc il est allé avec Maurice Tréon. Il est allé avec Maurice Tréon à l'ambassade d'Allemagne. Je crois que là on touche pas mal à la manière dont fonctionne le système communitarien, avec une discipline qui ne supporte pas du tout la moindre défaillance, et qui fait que, à la rigueur, on discute après, mais qu'on applique. Discipline de caractère militaire, quoi, en fait. On peut sacrifier, à la limite, quelqu'un dès qu'on sent qu'il faut changer son fusil d'épaule. Alors ça, c'est une autre question. C'est la suite, justement. Parce que, précisément, j'évoquais les rapports de Arthur Dalidet tout à l'heure. Et la suite, c'est précisément ça. C'est que, très vite, il y a eu des oppositions à la demande de reparution.
Les oppositions, elles se manifestent en France. Il y a toute une partie de ceux qui, avec qui on reprend le contact qui trouvent que c'est totalement aberrant. Elle se manifeste aussi à Moscou. Au Comintern, il y a des gens qui ne sont pas du tout d'accord avec cela. Et à Moscou, il y a Maurice Thorez qui est contre. Et finalement, le 5 août, le Comintern envoie une directive comminatoire au parti français en disant qu'il faut arrêter tout contact et qui, en même temps, donne à Jacques Duclos la totalité de la et l'exclusivité de la responsabilité du parti en France. Ce qui, de fait, exonère Duclos de toute responsabilité dans la démarche qui a eu lieu. Et c'est grâce à Odette Janvier que tu obtiens des renseignements supplémentaires qui permettent d'éclairer de manière plus intéressante cette époque-là. Oui, alors c'est à la fois grâce au rapport d'Hallyday, parce que le grand intérêt des rapports d'Hallyday, c'est qu'on voit, comment se fait l'élimination qui était déjà connue du responsable au cadre Maurice Tréant. Maurice Tréant, en effet, est mis sur la touche au printemps 41 de manière définitive, c'est sa mort politique. Hein, c'est sa mort politique. Et là, on voit comment ça fonctionne, parce que les deux rapports de Hallyday constituent un véritable procès en constitution de groupe anti-parti. Alors, groupe anti-parti, ça dit plus grand-chose aujourd'hui, mais à l'époque, c'est une accusation extrêmement grave. Et les deux rapports d'Hallyday sont faits pour démontrer que Maurice Tréant, Jean Catlat, quelques autres aussi, mais eux principalement, et Odette Janvier dont je vais parler, ont été au cœur de groupe, de la formation d'un groupe anti-parti. Alors quant à Odette Janvier c'est une militante qui est restée dans l'ombre pendant 50 ans, et puis qui, à la lecture justement de ce numéro des cahiers d'histoire dont je parlais, s'est dit, tiens, la vérité commence à venir. Et elle était agent de liaison de Catlat, de Jean Catlat. Elle s'est sentie mise sur la touche, elle l'a été d'ailleurs, au printemps 1941, et depuis elle se demande de ce qui s'est passé. Donc, Comment a-t-elle pu échapper? Enfin, elle a réussi à ne pas apparaître nulle part pour qu'on ne la retrouve pas? Elle a dû fuir? Non, pas du tout. Au lendemain de la guerre, elle a été arrêtée, suspectée en prison. Elle s'est demandé pourquoi elle était suspecte. Suspectée en déportation, elle a été à Ravensbrück. Et lorsqu'elle est revenue, elle a eu bien du mal à avoir à nouveau sa carte du parti. Elle l'a eu finalement, du bout des lèvres, quoi. Elle y est restée, et puis, jusqu'à nos jours, quasiment, elle s'est demandé ce qui s'était passé. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que elle a été prise dans la nasse de cette fabrication d'un prétendu groupe, et totalement mise sur la touche, et non seulement mise sur la touche, mais les rapports d'Hallyday lui attribuent, c'est-à-dire une des questions, qui pose toujours un petit peu problème, les rapports d'Hallyday lui attribuent un rôle que manifestement elle n'a pas eu. Mon hypothèse, c'est que, comme c'était un agent tout à fait lambda, une militante de base, et que par ailleurs Jean Catlat était un militant extrêmement populaire chez les cheminots, et qu'on sait le rôle des cheminots dans la résistance communiste, on a un petit peu préservé Jean Catlat, tout en le mettant sur la touche, on pourra y revenir éventuellement, oui, bien sûr. Hein, et on lui a fait porter aussi des chapeaux qu'elle n'avait pas à porter. Mais donc si on écoute bien la présentation des événements, il y a un dysfonctionnement, ou en tout cas deux échos complètement différents qui peuvent venir soit de l'antenne de Moscou, qui est tenue par des Français, semble-t-il, qui ont commencé en exil, et une direction à Paris qui parfois... C'est-à-dire... Lorsque Jacques Duclos et Maurice Tréant reviennent de Bruxelles, puisqu'ils ont passé la première année de guerre à Bruxelles, ils y viennent avec des consignes de l'international, disant il faut exploiter toutes les possibilités légales. La consigne ajoutait toutefois qu'il fallait faire très attention à ne pas se compromettre avec les occupants. Bon. Et à ce titre, donc, essayer de faire reparaître la presse au milieu de la pagaille, etc. Mais cette démarche-là, elle a au Comintern même, susciter des réserves, sinon des oppositions. Et l'une des choses qui interroge un petit peu, c'est qu'on a l'impression que cette partie de la direction française a particulièrement été amenée à aller le plus loin possible dans cette démarche. Alors là, moi, j'ai quelques hypothèses. J'ai aussi un petit peu cette idée qui transparaît un petit peu dans les documents, qu'ils ont cru à la vacuité du pouvoir, qu'ils ont cru que le pouvoir d'État français était totalement effondré
avec la disparition de la Troisième République. Ce sans quoi ils se trompaient lourdement, parce que tous les appareils d'État étaient encore là. Mais j'ai un petit peu cette impression, et donc ils ont joué une carte, pacte germano-soviétique, etc., bon, qui était totalement aberrante, bien entendu, et dont les militants les plus conscients, y compris à un niveau de direction, par exemple, je pense au trésorier de la Fédération des métaux, Henri Gauthier, qui d'emblée, alors qu'on lui demandait d'aller aussi négocier pour faire ressortir au grand jour son syndicat, a dit non, ça marche pas. Quoi. Je pense aussi aux sorties de l'illégalité de maires communistes, dont certains ont refusé de sortir de l'illégalité. Mais il y a quand même toute une équipe donc, de journalistes et d'imprimeurs qui continue depuis 1939, où le journal est interdit, à le fabriquer clandestinement. Ah oui, mais c'est une petite feuille de chou. C'est un tract renoté, hein, la plupart. Il y a quelques journaux imprimés dans les grandes occasions, mais la plupart du temps, c'est une feuille renéotée recto verso, hein, l'humanité clandestine, pendant toute cette période. Et celles qui sont reproduites dans le bouc de l'émission qu'on peut voir en insert par moment, le montre bien. Quoi. Il doit y avoir un numéro imprimé, si je ne m'abuse, qui est celui qui annonce la condamnation à mort de Jean Catelat, et il y a par ailleurs des tracts, enfin un Renéo 21-27, comme c'était alors. Quoi. Et avec Jean Catelat, d'autres permanents du PCF sont arrêtés à ce moment-là, ou il y a juste lui qui se fait arrêter et la purge ne va pas beaucoup plus loin dans les personnes qu'on arrive à attraper ou... Est-ce que tu parlais d'Odette Janvier qui a été arrêtée? Oui, alors Jean Catelat est arrêté, non pas du tout avec la moindre responsabilité du PC, de la direction du PC, comme on l'a parfois suggéré. Hein. Il a été arrêté sur la dénonciation de deux personnes qu'on ne connaît pas. Qui étaient au courant, enfin qui ont su qu'il y avait un député qui habitait à Nières et qui l'ont signalé à la police. La police est allée voir, elle l'a retrouvé, etc. Et la chute de Catelat a entraîné effectivement des chutes multiples, en particulier par le mécanisme des biographies qui ont été retrouvées sur certains militants arrêtés, et puis aussi par Odette Janvier, par exemple, a été arrêtée parce qu'on a retrouvé chez Jean Catelat une facture de poste de TSF. Avec même pas l'adresse du commerçant, parce que Jean Catelat avait eu l'habileté de couper, mais avec le timbre humide, qui était un timbre fiscal obligatoire pour les ventes de postes de TSF, et sur lequel il y avait le timbre du commerçant. Alors les flics, ils ont pas eu de mal, là, etc. Et donc, cette arrestation se fait cruellement pour lui. Il est jugé Il est jugé, si on peut dire. Oui, enfin, justement, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'est-ce qui lui a été reproché. C'est-à-dire, il est arrêté comme tous les militants communistes qui sont arrêtés à cette époque-là. Donc, il est arrêté en mai. Hein, il est arrêté en mai 1941, en même temps à peu près que Gabriel Péri, qu'il a été lui parce qu'un militant communiste a lâché le morceau contre sa liberté. Mais il a été arrêté sous l'inculpation de reconstitution de Ligue dissoute. Hein, qui était la reconstitution de Ligue dissoute attachée à la Troisième Internationale, etc. Quoi. Et ça valait quelques mois de prison. Simplement là-dessus, il y a eu, l'entrée en guerre de l'Union soviétique, l'invasion de l'Union soviétique par l'armée hitlérienne. Et à partir de là, répression avant même les attentats, hein, avant même les premiers attentats, une répression anticommuniste de la part de l'État Vichy s'est considérablement aggravée. Et elle s'est encore remultipliée avec les premiers attentats en août 1941. Et à partir de ce moment-là, les Allemands ont exigé du gouvernement français qu'il fasse quelque chose. Donc dans un premier temps, le gouvernement français a créé des sections spéciales auprès des cours d'appel qui ont jugé un certain nombre de dirigeants communistes ou d'ailleurs de sympathisants. Oui, en août 1941. Mais comme les sections spéciales n'ont pas fait tout à fait le boulot qu'on leur demandait, dans la mesure où il y a quelques juges qui ont encore eu des états d'âme, on a créé en tout début septembre un tribunal d'État
Et c'est devant ce tribunal d'État que Jean Catelat a été jugé dans un procès totalement inique, parce qu'en 36 heures à peine d'audience, on a expédié le cas d'environ 25 inculpés, oui. Et parmi lesquels une condamnation à mort, celle de Jean Catelat. Et alors donc qu'est-ce que vous a raconté Odette Janvier de particulier? Parce que vous disiez tout à l'heure qu'elle n'avait pas non plus elle tout à fait bien compris pour quelles raisons ces choses-là étaient arrivées. Quel éclaircissement particulier a-t-elle pu amener sur ce que vous connaissiez du problème et qui d'un seul coup le rendait beaucoup plus passionnant? Ce qu'elle a amené d'abord, c'est beaucoup de choses sur le destin de Jean Catelat, parce que ça l'a tarabusté toute sa vie. Ça l'a tarabusté toute sa vie parce qu'elle a bien senti, et Jean Catelat d'ailleurs aussi l'avait bien senti, qu'à partir du début 41, parce qu'évidemment, bon, elle ne se situe plus très bien aujourd'hui, à quelques semaines près la chronologie. Exactement. Mais s'était bien rendu compte que début 41, il y avait des choses qui se passaient, qu'il y avait des rendez-vous que Jean Catelat devait avoir par son intermédiaire et qu'il n'avait pas, la personne n'était pas au rendez-vous, qu'il a été question aussi que Jean Catelat quitte la région parisienne, et puis alors après, elle s'est retrouvée en suspicion dès son arrestation. Et donc elle s'est demandé ce qui s'était passé. Alors ça c'est un premier élément qui est tout à fait intéressant. Et puis le second, c'est qu'elle m'a permis de préciser ce qu'était vraiment un agent de liaison. Et en particulier, contre les deux rapports écrits par Arthur Dalidet, le deuxième en particulier, qui lui attribue un rôle gigantesque à l'organisation de la région parisienne, où elle n'a jamais été. Et donc, elle a apporté ce double éclairage quoi sur elle-même d'abord, hein, sur ce qu'elle a fait réellement, les contacts qu'elle a pris, etc., pour la reconstitution du parti clandestin, et puis sur l'itinéraire de Jean Catelat, qui d'ailleurs lui a demandé juste à la sortie du tribunal quand elle a été condamnée, il a été condamné à mort, et elle à combien, je ne sais plus, 3 ans ou 5 ans de travaux forcés. Il lui a demandé de faire tout pour établir la vérité. Est-ce en plus, semble-t-il, les informations qu'elle vous a communiquées permettaient de se recouper à des lettres qu'a écrit Jean Catelat, oui, sur la fin de sa captivité, oui, où il se laisse planer un certain nombre d'hypothèses, même de prises de conscience de sa part de ce qui s'était passé, oui, de ce qui se retournait. Il y a deux choses. Il y a ces dernières lettres dans lesquelles il insiste premièrement sur sa parfaite loyauté. Il dit de manière très bouleversante qu'il a toujours été un militant intègre, qu'il a toujours été bon, et que il faut bien dire ça pour sa mémoire. D'autre part, j'ai su depuis par sa famille qu'il avait eu des doutes sur le fait que justement il y avait des rendez-vous où des gens ne venaient pas, etc. quoi, voilà. Et puis alors il y a autre chose que j'ai découvert, alors là aussi très récemment, juste avant que le bouquin ne sorte, à vrai dire, ce qui m'a permis de retravailler, de rebondir, j'ai découvert dans les archives de l'ex-institut du marxisme-léniniste qui sont à Paris, à la bibliothèque marxiste de Paris, j'ai découvert une lettre de Jean Catelat à Maurice Tréhant demandant que, dans la mesure où on le suspectait, de retourner à la base. Et c'est une lettre extrêmement belle, mais qui montre en même temps le tourment qu'a vécu Jean Catelat. Et précisément, je crois qu'une des choses les plus dramatiques dans cette affaire, c'est qu'au seuil de la mort, Jean Catelat s'est senti suspecté par ses camarades. Mais c'est assez étonnant parce que, en même temps, il était investi d'une mission, il se fait arrêter par l'occupant qui, après tout, n'a pour mission que de l'arrêter, ou d'arrêter en tout cas des communistes. C'est quand même, ça laisse penser à beaucoup de choses sur son état psychologique, de se dire, d'un coup, je suis en faute. Effectivement, ça pose beaucoup de questions sur le fait de, est-ce qu'il était réellement complètement convaincu de ce qu'il devait faire. Et il s'interroge autant de l'accusation des nazis ou de l'État français que même de celle que pourrait accessoirement lui reprocher le Parti communiste. C'est étonnant.
lâché d'un côté et prisonnier de l'autre. Oui, mais je crois que surtout ce dont il a souffert, c'est d'être suspecté par ses propres camarades. Oui. Ça, je crois que ça a été vraiment une très grande souffrance. Puis il y a des choses qui sont un peu inconnues. Il a été interrogé par les Allemands. On ne sait pas du tout ce qui s'est dit au cours de cet interrogatoire. Mais ce que l'on sait, c'est que dans une de ses lettres à sa famille, il dit que c'est la plus mauvaise journée de sa vie et qu'il a appris des choses totalement stupéfiantes. Ça, effectivement, c'est peut-être parfois souvent le rôle des inquisiteurs de dire ou d'expliquer à quelqu'un, même en mentant et en témoignant, qu'il a été trahi par ses frères. Bien sûr. Et présenter le mauvais côté des choses. C'est vrai que ça peut ébranler quelqu'un qui bien se sent sûr. Pur et innocent. Bien sûr. Et dans ses engagements. Donc, on peut comprendre. Or, il faut dire que jusqu'au bout, Katla a été tout à fait. Enfin, je veux dire, il n'a rien d'indissident, rien de. Il est tout à fait dans la ligne du parti. Il envoie, fin 1940, il envoie à ses camarades de Damien une adresse pour le Nouvel An. Qui est parfaitement dans la ligne du parti. Je veux dire, il n'est pas du tout dissident. Simplement, il est suspect parce que on a fabriqué autour de lui, et surtout autour de Maurice Tréhard, on a fabriqué un complot anti-parti. Et de nouvelles archives s'ouvrent régulièrement, je suppose, depuis 5-6 ans, puisqu'on arrive à la fin des périodes de blocage sur certains documents. Ça a été aussi une source de renseignements important pour vous, pour l'ouvrage? Pour ici, non. Non, pour cet ouvrage-là, non, parce que pour ce qui est des archives du Parti communiste qui étaient déposées, qui sont toujours déposées à la bibliothèque marxiste, ça fait longtemps que nous avons donné l'autorisation. Moi, j'en étais un temps responsable avec un autre éminent membre du parti, Roger Martelly, ça fait belle lurette que nous avons ouverte. Simplement, bon, elles sont dans une pagaille plus ou moins. Bon, il faut fouiller dedans, quoi, voilà. Et j'ai découvert cette lettre tout à fait par hasard en refouillant, quoi, voilà. Et il n'y a pas des archives qui peuvent être consultables à Moscou ou dans certaines, parce que comme tu parlais tout à l'heure de l'importance que pouvait avoir le Comintern ou même des communistes français exilés pour télécommander, diriger ou informer la France. Ah bah, ces nouvelles archives, et en particulier les deux rapports d'Hallyday, ont été découverts à Moscou. Ces deux rapports ont été découverts à Moscou par justement le préfacier Serge Volikov, qui est prof à l'université de Dijon, et qui c'est lui qui a ramené de Moscou ces deux rapports, quoi. Donc je dirais que c'est une source de renseignements particulièrement intéressante, oui. D'accord. Et donc l'humanité n'est donc pas reparue? Non, manifestement. Dieu merci. Et quelle a été, quand est-ce qu'il est revenu réellement en France, imprimé? Normalement, ça a été à la Libération. À la Libération. Très rapidement, dans les quelques jours pendant la Libération de Paris. Comme la plupart des journaux de la Libération, ils ont paru à partir du, je sais plus, 22 août, quelque chose comme ça, 1944, ils ont reparu au grand jour. Mais toute la période antérieure, le journal était soit sous forme de tract, René Hotté, recto verso, ce qu'on disait tout à l'heure, soit exceptionnellement sous forme, lorsqu'il y avait des grands anniversaires, par exemple, je sais pas, la Commune de Paris, ou une grande victoire soviétique, etc. Elle paraissait à ce moment-là imprimée. On sent que ce journal soutenait quand même Katla de cette manière, puisqu'on a pu voir les deux exemplaires dans lesquels on annonce son arrestation et on a dit son jugement. Il a quand même eu un soutien entre guillemets de ce petit journal, au moins pendant toute sa captivité, peut-être même jusqu'à son exécution. Ah bien sûr. Non mais là lui, naturellement. Pas le lire en prison, j'imagine. Mais... Bien sûr. Non mais là naturellement, l'humanité a dénoncé la répression qui s'abattait sur ses militants, sur lui, sur Gabriel Péri qui a été arrêté à peu près en même temps et n'a pas ménagé son soutien, de même qu'au lendemain de la mort de Jean Katla, il y a une déclaration que je reproduis en partie, je crois, du comité central, en fait, qui a été faite par Jacques Duclos, qui rend hommage aux martyrs. Mais en même temps, j'ai essayé de montrer que le processus d'héroïsation, il a en même temps contribué à occulter ce qui s'était passé réellement. Bah, oui, c'est peut-être plus facile de parler des martyrs sans expliquer les conditions réelles dans lesquelles ils ont été soit sacrifiés, puisque c'est une des hypothèses sur lesquelles vous travaillez, soit effectivement pris au piège. Mais ce rôle de sacrifié est toujours plus agréable à présenter comme un martyr. Bien sûr. Et ensuite, bah, évidemment, il y a une chape de plomb qui s'est abattue là-dessus, parce que au lendemain de la guerre, dans la guerre froide, l'affaire de la reparution de l'humanité a été sortie à l'Assemblée nationale fin 1947, dans les débats particulièrement houleux. Et là, tout de suite,
Jacques Duclos en particulier a réagi en disant non, c'est faux, c'est une infâme calomnie, quoi. Et on est resté là-dessus pendant quelques décennies jusqu'au moment où on a dit ce sont des camarades bien intentionnés qui. Mais en fait, c'était une directive très précise de la direction revenue de Bruxelles en France, et donc Jacques Duclos était aussi impliqué là-dedans. Écoutez, Roger Bourderon, je pense qu'il faut à tout prix lire ce livre pour vraiment comprendre toute l'histoire et toute l'aventure de ce personnage pris au piège et à la fois sacrifié. Et bien, merci de votre attention. J'espère que nous n'avons pas été trop historiens et plutôt passionnés. Voilà, à très bientôt, au revoir.